وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. الله سبحانه وتعالى في جد القرآن دا سورة البقرة يا أيها الذين آمنوا أمن كن إيمان كلوا من طيبات ما رزقناكم كنسم مانج دبان بون نوريتيا كينفين أتريبي أزوت واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. Et remercie Allah si vraiment c'est lui, Allah, qui vous adorez. Un verset très important, frères et sœurs en islam, dans la vie d'un musulman. Nourriture, il y a une chose fondamentale dans la vie d'un être humain. Nos subsistances, si nous ne pas manger, nous ne pouvons pas exister. Mais Allah subhanahu wa ta'ala, nous en tant que musulmans, nous ne pas manger ce qui nous envie, nous. Nous pas mangent comme nous envie. Nous pas mangent les qui nous envie. Et nous pas mangent quelque chose n'importe comment nous faisons gagner. Mais tout quelque chose est un principe qui Allah subhanahu wa ta'ala fait établi. Kulu min tayyibat. Allah subhanahu wa ta'ala peut dire au ban kinaiman consomme ban bon nourriture qui nous fait donner. Alors donc c'est quoi bon nourriture? Allah subhanahu wa ta'ala, son Nabi sallallahu alayhi wa sallam dit « Inna Allah tayyibun la yaqbalu illa tayyiba » Allah li propre, li pur, li pas accepté quelque chose qui n'est pas bon, li pas accepté quelque chose qui est impur, li pas accepté quelque chose qui est mauvais. Et Allah subhanahu wa ta'ala li peut dire nous aussi que parmi les responsabilités du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, c'est que pour enseigner nous qui bisait manger, pour enseigner nous les bonnes choses parmi la nourriture, et pour mettre nous en garde concernant ban kit chose qui nous pas supposé manger. Wa yuhillu lakum at-tayyibat. Allah subhanahu wa ta'ala peut dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam fin vini pour rendre halal licite ban kit chose qui bon. Wa yuharrimu alaykum al-khaba'ith. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam fin vini pour rendre illicite, haram, ban kit chose, khabith, qui fait un audito. Alors donc, tayyibat, c'est le contraire de kit chose qui est offensif, qui fait un audito. Tout kit chose, tout nourriture qui fait un audito, alors c'est pas ban nourriture considérée tayyibat. Qui ban nourriture considérée tayyibat? Numéro un, ban nourriture qui profite nous l'écho. Ben nourriture qui est profitable pour nous l'écho. Si une nourriture de nature lui fait nous dit tout, alors donc, sa nourriture-là, Allah subhanahu wa ta'ala fait considérer ça khabith. Khabith, ça veut dire une nourriture qui n'est pas propre à la consommation. Qui lui fait nous dit tout quand nous consommons. Alors, quand un musulman lui choisit sa nourriture, il a besoin de choisir la nourriture qui, à la base, c'est la nourriture qui est nourrissante, qui est profitable pour son écho. Dans le hadith Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, Allah subhanahu wa ta'ala, son Nabi sallallahu alayhi wa sallam, finit spécifier beaucoup la nourriture qui est profitable, mais aussi dans nos common sense, dans nos raisonnements, nous connaissons qui est la nourriture qui profite nous, la santé concernant vitamines, concernant l'énergie, concernant tout bon quelque chose minéral, etc., qui nous besoin pour nous l'écho. Alors, Allah subhanahu wa ta'ala fait mettre comme si c'est la pharmacie pour la terre. Quand nous avons sa nourriture qui est n'importe comme si c'est la pharmacie. Ça. Dans chaque nourriture, Allah subhanahu wa ta'ala fait mettre un bienfait et fait mettre certaines bonnes quelque chose qui protège nous contre certains bonnes problèmes qui nous capables de gagner. Pour tout problème, pour toute maladie, dans la nature, Allah subhanahu wa ta'ala fin mettez, inna Allah nazala dawa dawa. Allah subhanahu wa ta'ala fin descend maladie, fin descend so antidote, so veut dire so solution, so remède. Alors, remède la côté, à travers ban plante, à travers ban nourriture, qui Allah subhanahu wa ta'ala fin mettez. Alors donc, Allah subhanahu wa ta'ala, tout d'abord, veut dire nous mange ban nourriture, qui pour profiter nous l'écho, pour donner nous ban kit chose, qui pour servir positivement dans nous l'écho. Ça, c'est le premier kit chose. Alors, toute bonne nourriture qui peut détruire nous la santé,
qui peut causer nos maladies, qui peut empirer nos situations. Alors donc, ça, la nourriture là, n'est pas dans sa catégorie qui Allah subhanahu wa ta'ala fin autorise nous. Qui fait mettre salaud là, tu es comme un tis. Allah fin mettre le bien et le mal, fin mettre bonne nourriture, nourriture qui est harmful, qui cause nous dit top, pour guetter qui nous fait, pour nous servir nos raisonnements, qui nous pas faire quelque chose qui n'est pas bon. En gros, dans sa verset là aussi, Allah subhanahu wa ta'ala qui cause une bonne nourriture, bonne nourriture qui nous gagne d'une façon halal. Une nourriture est capable à la base. Une nourriture est capable à la base halal. Pommes de terre, la chair, halal. Fruits, tout cela est halal. Mais seulement si vous faites gagner d'une façon qui n'est pas permissible. L'inévin khabis. Il n'est pas profitou dans l'écho. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit concernant. Comme un voyageur, beaucoup de temps, il est en voyage. Ashrath veut dire se servir en désordre sur la tête. Akhbar veut dire la poussière sur l'écho. Mais seulement qu'il peut faire, il peut invoquer Allah. Ya Rab, il peut supplier Allah pour son besoin. Allah subhanahu wa ta'ala, son Nabi sallallahu alayhi wa sallam qui dit Anna yustajabu lidhalik. Qui fait Allah, comment Allah peut accepter l'invocation de sa personne? Qui fait? Qui problème est-il que Allah subhanahu wa ta'ala pas accepté son invocation? Alors que Allah ne pas retourne Jimoun zéro. Quand nous lève la main, Allah ne retourne nous zéro. Allah content qu'on nous demande lui. Allah son richesse inépuisable. Mais pourtant, sa Jimoun là, Allah peut retourner zéro. Mais qui est ce problème? Ma'kaluhu haram. So, nourriture, fin vin depuis. Une nourriture qui est haram, qui est interdit. Ça veut dire qu'il peut manger quelque chose qui est interdit, soit nourriture la même à la base, elle n'est pas autorisée pour consommer, soit qu'il finit gagner d'une façon qui n'est pas acceptable en islam, il finit voler, il finit coquin, il finit exploiter Jimoun, il finit servir sur la fosse pour gagner quelque chose par fosse. Tout façon qui mal gagné, alors il rentre dans sa catégorie khabis. Il fait les taux, les codes dito. Et dans quelle façon il fait nous dito? Nourriture qui nous finance avec l'argent coquin. Nourriture qui nous finance avec l'argent pour tout le monde, la drogue. Nourriture qui nous finance avec l'argent qui finance l'immoralité, corruption, prostitution, etc. Alors ça, cette nourriture-là, il fait l'effet. Veut dire négatif dans nos échos, nous ne devons pas accepter. Nous ne devons pas accepter. Alors donc, Allah subhanahu wa ta'ala, son Nabi sallallahu alayhi wa sallam, fait nous comprendre que ce n'est pas seulement la chair de porc, ce n'est pas seulement une nourriture qui peut faire courbani, non. Une nourriture qui, à la base, est capable de halal, mais seulement si mon gagne d'une façon qui est illégale, ça aussi, sa nourriture là, n'est pas la nourriture toyibad. Il n'y a pas de nourriture qui saine pour qu'un djemon y consomme. Pareil comme ça même pour une nourriture qui défend, frère en islam, nourriture qui ou fin gagné à pas exploitation. Ou un enseur qui est handicapé au lili, ou un neve qui fou, ou bien ou un parent qui prend sa responsabilité, il peine à l'éducation. Mais seulement, il peine à l'éducation, il y en a la tête ou son nom. Il fou. Mais seulement, il y en a un million en banque. Yatim, mais seulement, son papa finit quitter un campement pour lui avant d'y aller. Mais où, en tant que tuteur, son responsable, qui vous finit faire? Au fin, consomme ben, l'argent qui vous pas gagné droit. Inna alladhina kuluna amwal al-yatama dhulman. Ben qui consomme l'argent de ben orphelin, pas d'une façon injuste. Innama ya'kuluna fi butunihim nara. L'immense, en fait, il permet de se vendre, d'y faire l'enfer. Ça veut dire que vous êtes capable de piaster la chair, bœuf, ou capable de piaster fruits, mais seulement vous pouvez manger, d'y faire l'enfer, malgré qu'il y a à la base fruits halal, malgré qu'il y a à la base la chair de bœuf, poulet halal, mais seulement d'y faire l'enfer, permet de vendre parce que. Sa nourriture là fin vini pas exploite ban faible, ban qui ignorant, ban qui pas capable réclame ce droit.
Tout cela, c'est pas quelque chose qui Allah subhanahu wa ta'ala permet nous en garde. Donc, musulmans, nous besoins halalan tayyiba. Nous besoins ce qui est halal. Ce qui est halal, ce qui Allah fait halal. Ce qui est profitable pour nous les corps. Ce qui n'est pas fin de gagner d'une façon injuste. Pas fin de gagner à travers exploitation. Pas fin de gagner à travers corruption. Ou fin de travail. Ou fin de faire aux efforts. Ou fin de gagner beaucoup ou bien peu. S'il est halal, manger. Voilà tout ce qu'il faut, sans qu'il ou faire, veut dire gaspillage. Manger, mais c'est pas faire gaspillage. Alors, musulmans, vous besoin de la source de vos nourritures. Vous besoin de qui rentre dans vos ventes. Vous besoin de qui rentre dans votre famille, ou bonnes enfants. Ça, c'est une de bonnes priorités de tout musulman. C'est pas seulement faire namaz qui est important. Ça, c'est fondamental. Nous besoin de faire namaz d'un musulman. C'est pas seulement mettre un habillement noir. Qui est important. Ça, c'est fondamental, et madame musulmane, bisabili correctement. Mais, pas oublier, ça, l'aspect-là, qui malheureusement, l'islam pas blâmé. C'est musulmans-là qui peut mal faire. Quand on trouve un djimoun, les capables, sur l'apparence, pas qu'un très musulman, ou bien sur l'apparence, qu'un très, veut dire, un djimoun pieux. Mais seulement quand on trouve, comment il fait, côté l'argent, il n'est pas musulman dans l'argent. Il n'est pas un musulman dans l'argent. Soit qu'il peut servir l'islam, il peut servir Allah pour enrichir, il peut servir le prophète pour lui gagner l'argent, il peut servir la religion pour lui gagner l'argent, il peut coquin au nom de la religion, il peut mal servir à manette qu'Allah subhanahu wa ta'ala de Solamé. Alors donc ça, c'est très important, frère en islam, qui nous parle côté Allah avec sa bonne qualité problème. Ça veut dire nous besoin vérifier bien, à tel point que bonne sahaba, quand je dis pas pécier, Abu Bakr radiallahu anhu, il disait mettre la main sur la gauche pour tirer nourriture. Quand il a trouvé sa nourriture, elle n'est pas méritée. Quand Al-Hassan ou Al-Hussein radiallahu anhu, qui dans famille Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, famille Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, Ahlul Bayt, je n'ai pas gagné droit pour un zakat. La famille du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui a un lien de sang avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Attention, en parenthèse. Pas ban salatan qui peut dire non, ma famille est prophète. Ça va, non. Pas qu'on est dans l'Inde, Bangladesh, pas qu'on est qu'autres autres racines de finir une parent avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Nous pas qu'on est un vrai. Qui parenté de sang arabe, je tiens un lien de sang avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, je n'ai pas gagné droit à mon zakat. Alors donc, un jour, ban sahaba tchamintam et Hassan ou Hussein, tu prends Satana, tu mets deux autres la bouche, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il connaît, mais qu'était ça? Ben, dit, ça c'est sadaqa. Sadaqa ici veut dire zakat. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dit kasse. Ça veut dire que ben, dit, si je prends précaution concernant qui rentre dans une vente. Nous vous êtes bien frères en islam. Washkurulillah. Mais si vous faites une gain halal, si vous faites un récit, acquérir ou nourrir à travers un moyen halal, ou la sueur, et meilleure façon pour gagner, pour capable manger, c'est la force de où la main. Ou la sueur, ou pas mendier. Mendier dans certaines situations, peine à choix. Mais mendier pour n'en rien, haram. Rode l'argent pour n'en rien, haram. Alors, ou fin rinté, ou fin gain, sa nourriture là, alhamdulillah, ou manger, veut dire qu'ensuite, ou remercie Allah, qui fin de nous, qui fin facilite où? Parce que le croyant, Allah qui facilite pour les gagner sa nourriture. Lau kuntum tawakkaluna ala Allah, haqqa tawakkulihi. Si vraiment je suis en dépendance, tawakkul lo Allah, comment supposer en dépendance lo Allah, la razaqakum kama yarzuqu at-tayr. Allah ti pour nourrir, pareil comme il nourrit un oiseau. Qui veut dire, Allah peut amener nous pour réfléchir un petit peu un oiseau. Il peut avoir contact, il peut avoir travail qui lui fixe, il gagne la paix la fin du mois. Il peut avoir un grenier pour les gars se manger, il peut avoir la banque, il peut avoir rien. Au jour le jour, ils vivent ces oiseaux-là. Mais seulement, ils sortent de son nid le matin avec l'espoir qu'il le nourrisseur Allahu Razzaq pour donner à manger. Et quand ils rentrent de son nid, ils se vantent, ce sac mangé rempli en nourriture. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala, Al-Razzaq dhul quwwatil matin. Allah le nourrisseur qui a tout pouvoir, toute la force. Alors donc, quand on fait une gain,
nourriture halal, remercie Allah. Allah subhanahu wa ta'ala qui nous facilite nous. Quand nous pouvons gagner nourriture halal, tout d'abord, remercie Allah qui sa nourriture halal et finit de prendre une source halal. Deuxièmement, remercie Allah parce que c'est Allah qui nourrit moi. Mon travail, c'est un moyen. Mon travail, c'est seulement un moyen, ça. Qui Allah nous dit moi, travail, pas si c'est. Get sa zoazo là, il ne faisait faux. Tu ne faisais faux, tu ne gagnais. Dis Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alladhi razaqana hadha. Oh Allah, remercie pour toi qui finit nourrir moi. ورزقنيه أطعمني هذا ورزقنيه من غير حول مني ولا قوة. سامم كي وجيه بعد أن نغتيه كوفين فيني ما هو زكي وجيه. الحمد لله. ورميسي الله. الذي أطعمني هذا. celui qui fait nourrissement de sa nourriture. ورزقنيه من غير حول مني ولا قوة. et qui fait accordement cela sans aucun effort de ma part ni aucun la force bonne bise à sa vie. parce que quand on réfléchit frères et sœurs en islam, tout simplement, ça l'assiette d'iri. Blié carré, blié bread, blié nanyam. Ça dirait là, il vient dans le plat. Qui se fait ou ne fait un? Ou ne peut un taquet? Ou bien un bain à la. Prends des livres, dirait pour moi. Il vient, il met dans le caraï, il bouille, il vient dans l'assiette. Mais seulement quand Allah subhanahu wa ta'ala, son Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il dit ou réfléchis là. Wa quoi fin accord, moi ça sans effort, sans la fausse. Qu'est-ce que ça dirait là, ça dit? Quand il finit dans l'assiette couleur blanc, joli en grains, long basmati, quand il sortit ça, qui quantité d'efforts avant planter, pour dresser la terre, qui quantité sacrifice, qui quantité d'immun, une bizette grillée de soleil, pour capable, veut dire, mettre de l'eau dans sa place qui vous plantez là, qui quantité d'immun, une bizette, soleil qu'on reste bouillé grammatez qu'à tantôt, laisse ça pousser. Veille l'eau là, fais ce récolte, tout ça, ben, des centaines de monde, amène ça dans l'usine, retravaille ça, reprocesse ça, assez ça, protège-le, qu'il n'est pas gâté, transporte-le, amène-le dans bonne place, dans retail center, reprends-le, avoye-le au bateau, du monde peut rentrer, peut souffrir, les reins, ou bien dans la machine pour amener-le au bateau, protège-le au bateau, reviens là. Qui quantité trajet qui vous fait une gagne ça? Est-ce que vous pas besoin de remercier Allah? Besoin de remercier Allah subhanahu wa ta'ala. Wa shkuru lillah. Remercier Allah subhanahu wa ta'ala. Si vraiment vous adorez Allah, qui signe ou qui vous adorez Allah? Un djimoun djem adorez Allah. C'est quoi adorez Allah? Allah bon Dieu existe, ça appelle ça adorez Allah, non? Adorez Allah, ça veut dire qu'il faudrait ou montrer ou reconnaissant. C'est ça une forme de l'adoration. Une demande forme de l'adoration, c'est shukar. Shukar, sinon c'est plus grand forme de l'adoration. Quand on dit Alhamdulillah, wa shukrulillah, parce que le Coran il commence par quoi? Alhamdulillah. Le Coran commence par ça. C'est une plus grande forme d'adoration qui est reconnaissant ou ressenti une redevance vis-à-vis Allah subhanahu wa ta'ala. Ou senti qui vous a remercié. Wa shukrulillah, in kuntum iyahu ta'budun, wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. الله سبحانه وتعالى سو القرآن الله سبحانه وتعالى بيجي وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم من مكريان dans l'époque رسول الله صلى الله عليه وسلم si tant je t'y enviais le prophète صلى الله عليه وسلم أم يحسدون الناس على أما آتاهم الله من فضلي زتينا سجلوزي فاير كي الله فاير لو le prophète صلى الله عليه وسلم parce qu'il tient à beaucoup faveur que Allah fait l'eau libre et de la même façon comme faveur Allah fait faire l'eau ban croyant l'eau où l'eau moi nous tout Allah fait faire faveur et faveur Allah l'eau en dimon lui amène tranquillité dans lesquels un croyant lui fait de nous réconfort et donne nous l'espoir. Quand on trouve faveur Allah loin du monde, si moi un croyant, j'ai une tranquillité qui fait, parce que c'est lui qui me donne lui capable de moi, mon papa j'ai l'espoir, j'ai un réconfort, qui fait j'ai un réconfort, ça veut dire mon l'obéissance lui payant, parce qu'il n'est pas gagné ça comme ça même. Mais frère en islam et sœur en islam,
est-ce que tout le monde croyant l'eau la terre? Est-ce que tout le monde croyant l'eau la terre? Il y a un croyant, il y a un mojire monde, il y a un criminel, il y a un afikoun, il y a un hypocrite, il y a un mécréant, il y a l'ennemi, il y a qui jalousie, il y a qui jaloux, il y a qui a vengeance. Alors donc, dans ce moment qui favait Allah subhanahu wa ta'ala, peut descendre l'eau, frère en islam, surtout dans le sommeil, veut dire nourriture. Ou bien faire beaucoup attention aussi. Numéro 1 contre les yeux du monde. Fais attention contre les yeux du monde. Demande à Allah subhanahu wa ta'ala protection. Oui, manger, boire. Pas faire gaspillage. Mais seulement faire attention. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Al-aynu haqq. Les yeux, c'est une chose qui est vraie. Allah subhanahu wa ta'ala dit Ban kafir, si on vient Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, je suis prêt pour détruire avec les yeux. Mais Allah le protecteur, il protège lui. Nous besoin vigilant. Tout le temps, garde un low profile. Tout le temps, cesse protection avec Allah. Fais bismillah. Connais qui vous pouvez faire. Connais comment vous pouvez sortir une nourriture. Comment vous pouvez exprimer faveur Allah. Parce que autour de vous, il y en a qui comptent en haut. Il y en a qui jaloux. Il y en a envie de faire méchanceté avec vous. Al-aynu haqq. Lisez vrai. Et Allah subhanahu wa ta'ala fait montrer comment Jibun fait gagner lisez. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Fin de nous, ban événement qui nous passe devant. Dans l'époque Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, quand Jibun est tombé en bas avec l'isier. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit c'est une petite chose qui est capable de prendre la vie de Jibun, apporte destin, apporte le décret divin, c'était l'isier. L'isier capable de prendre la vie si Allah subhanahu wa ta'ala pas protégé. Demande Allah subhanahu wa ta'ala protection contre l'isier et vive comme un islam fin de nous. Et là, frère en islam et sœur en islam, les chagrinants. Nous tous, surtout bonne sœur, parfois arriver à un moment d'inattention, nous capables de faire libre. Parfois, un moment de joie, nous capables de nous exprimer nous la joie. Nous pouvons faire erreur quand nous faisons distinction entre un lieu public avec réseaux sociaux. Même ça fait ça. Est-ce que sœur en islam, frère en islam, on fait un joli gâteau? On fait toute cette qualité manger, nourriture. Qui fait ou pas exposer le chemin là? Fait tout le monde passer, guetter là-haut, amener en dedans. Qui fait ou pas faire ça? Hein? Ou fait, hein? Ou faire ça, cette chose là? Qui fait ou pas faire ni? Propre tout, hein? C'est pas non, rien, ou fait encadrer lui. Mais ça, tout le monde qui passe, venir, qui s'extrait, vous êtes lisez, saute gros. Ou fait, hein? Qui fait ou pas faire ça? Ou comprend, mais c'est ma quelque chose qui ou pas périssé, comprend, réseaux sociaux avec ça, même ça fait ça. Ça n'a là. Littéral, physique, notre la virtuelle, même affaires. Nous besoin faire attention. Qui quitte ça, pas tous affaires nous exposer. Nos Facebook, nos réseaux sociaux, le Instagram. Quand mon rentrée, quand mon sortie, qui mon acheté, qui mon pour métier. Là, aux vêtements, underwear, linge, nourriture, tout plaisir, qui ont rêvé tout ou font ça au Facebook. Ah ben demain, quand on est fou ou bien on est folle, dès que ça n'a la faute. Pas même que la faute, parce qu'il y a un ou haq. Les yeux, c'est une vérité. Et il y a quelque chose que nous, par nécessité, on peut bien faire libre. Ce n'est pas une responsabilité pour partager de nourriture, ou bien redevable, ou bien un record. On peut faire un événement là, on peut bien record, pour veut dire, garder comme record. Mais pour non rien. Nous tous capables de faire ça, rien là. Un moment d'inattention, mais quand on paye les conséquences, c'est là où on réfléchit, on gagne soc. Quand on paye les conséquences, faire attention, lisez. Faire attention aux jalousies. Parce que, favi Allah, pas égal. Allah fait un privilège certains l'autre, même dans question nourriture. Pas Allah se sagesse. Qui fait une donne sanala 10, qui fait une donne sanala 5. Allah se sagesse. Ou même en tant qu'adulte, parfois, on a donne sanala 10, sanala 1. Parce que vous connaissez ça souvent des appels. Parfois, nous comprenons ce raisonnement-là. Allah lui donne certaines plus, ça n'a la moins. Pour une raison, parfois, il est capable d'échapper nous. Mais Allah subhanahu wa ta'ala lui donne. Mais quand on gagne 10, là, on gagne 1. Si un croyant, il peut dire Allah, moi, remercie toi, moi, on gagne 0. Mais si y a un démon qui est malade, il y a un démon qui est mauvais dans ce qui ce jaloux commence à limer. Min sharri hasidin, idha hasad. Allah dit à toi, cherche protection. Qul a'oudhu bi rabbil falaq. من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. Contre le mal,
deux bannes qui jaloux quand je jaloux manifesté contre le mal. Comment jaloux, un monde qui jaloux il est capable de faire audito? Parce que jalousie là pour faire lui réagir, pour faire audito, il pour cause mentir le ou, il jaloux, ça ne vend la drogue ça. Vous entendez ça? Quand vous arrivez, pendant aucune explication, vous besoin de vendre la drogue. Il ne connaît pas qu'il y a Allah qui donne. Parce qu'il jaloux, sur l'hygiène aveuglée, sur la cervelle, il finit brouillé. Alors donc, quand on fait un petit progrès, non, on vend la drogue. Quand les enfants gagnent un travail, non, backing. Qui besoin? Pas nécessaire backing. Pas nécessaire vendre la drogue. Parce qu'il y a Allah qui donne manger boire. Allah lui donne sans qu'il vous demande aussi. Allah vous demande les cadeaux nous sans aussi. Ça, des décisions. Allah. Ya Maryam anna laki hada. Maryam alayhi salam li confiné dans sa chambre. Pena personne. Quand Zakaria fin rentrer, fin trouve nourriture remplie dans sa chambre. Mais personne pas rentrer et Maryam alayhi salam pas sorti. Qalat huwa min indillah. Et Maryam dit à Zakaria, Allah n'a voyé. Inna Allah yarzuqu man yasha bighayr hisab. Allah li nourrit sans aucun, veut dire sans aucune mesure. Allah subhanahu wa ta'ala lui donné. Mais le problème que favé Allah le haut capable provoque jalousie dans les kenjimon qui fait mal et qui agit mal ou bien cause mauvais le haut ou bien cause menti le haut. Faire attention. Et troisième problème, si vous pas congé à favé Allah par nourriture, c'est faire attention qui vous mange qui de chose qui pas bizarre. Ça n'a la difficile ça mon frère. Ça n'a la difficile. Il demande patience. Il demande confiance dans Allah. Ou pour souffrir, si vous trouvez une madame finement mal proptée, la sorcellerie. Vous trouvez une petite fille mange la sorcellerie. Ou garçon mange la sorcellerie. Quand vous trouvez souffrance, quand vous trouvez souffrance, quand vous trouvez l'écho, comment peut souffrir, quand vous trouvez douleur qui peut trapper, qui peut n'a pas docteur qui ne peut faire rien. Ça, là, vous pouvez réaliser. Si moi, tu connais. Malheureusement, frère en Islam, dans le monde actuel, nous pas supposer d'autres personnes parce qu'Islam il empêche nous d'autres dimons. Mais seulement parfois arriver, nous besoin prendre précaution. Quand on a 10 dimons, il y a un là-dedans qui nous pas connaît qui s'en a. Mais seulement nous besoin prendre précaution parce que quand on fait face à la sorcellerie, quand on est une victime, on comprend qui qualité est dangereuse. Diable rentre en haut, frappe, dit une salasa, bismillah, aoudoubillah, mes chers, on dit qu'on est un aoudoubillah, une faune libre. Mais c'est mal la sorcellerie, non, hein? Fais attention. La sorcellerie, si vous mangez, avant de manger, frère, prends précaution. Pas dire halal, pas dire toutes affaires qui viennent devant la porte halal, ou les gens sont gros, bon manger, on est manger même, non. Faire attention. Parce que ça même sorcellerie plus difficile pour guérir, quand l'écho, il consomme ça. C'est Allah, le Tout-Puissant, qui est capable de guérir avec ce pouvoir qui est limité. Donc, mange bois, mangez bois halal, pas mange quelque chose rabith. Et parmi les choses qui habitent, c'est manger qui fait mettre la sorcellerie là-dedans. Nous faisons droit qu'Allah subhanahu wa ta'ala protège nos bonnes familles, protège nos bonnes enfants, nos bonnes filles, nos bonnes garçons, nos bonnes madames, protège nos bonnes parents, protège nos bonnes musulmans, protège nos bonnes qui donnent l'obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala, qui Allah protège nous, qui nous mange halal, qui Allah subhanahu wa ta'ala protège nous contre les bonnes qui jaloux, contre les bonnes qui mettent l'hygiène. Que Allah subhanahu wa ta'ala protège nous contre la sorcellerie, le sorcier et celui qui vient faire ça la sorcellerie. Walhamdulillahi bi ni'matihi tatimmu s-salihat wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.